Ça va Tom? Ça va nickel. Toujours? Toujours, toujours. Bon, ce qu'on va faire, comme je t'ai dit, on va faire un parcours examen. En mode un petit peu conduite commentée, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Moi, je t'aide. Okay. Et puis, on arrive ici. Et puis, dans la semaine, on sera un examen blanc. Okay, allez, marche. Vas-y, on est parti. Donc, avant de démarrer, avant de partir, on va contrôler qui est l'environnement, le rétro intérieur, extérieur. Si on peut y aller, on met le clignotant et puis on démarre tranquillement. Pour démarrer, on n'oublie pas d'accélérer. Ouais. 222 212. Dans 10 km, il y aura géré un chiffre parfait. Allez, vas-y. On ira à droite. Ok, on peut accélérer là un petit peu et puis serre pas trop à droite. On accélère, allez vraiment. Et on met la 3. Là, la prochaine, on va où? À droite. Ouais, on a quoi? Un passage piéton. Oui, ah voilà, on freine tranquille et puis on met la 2. Ouais. Allez, c'est là-bas qu'on s'arrête, pas ici. On reprend et on gère notre arrêt, un bon arrêt. Souffle. On remet la une. Si on peut y aller, on y va. Et puis quand on va redémarrer, on dynamise. Non, 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 non. J'ai pas dit qu'on pouvait y aller. Voilà. Allez, on dynamise encore. Au giratoire, on fera demi-tour. Allez, on met la 3. On fera demi-tour, donc on met le clignotant et on contrôle surtout avant de freiner. On met la 2. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Bon, on y va. Au prochain giratoire, on ira à droite, dès maintenant. Voilà. Non, non, te jette pas sur la 2. Voilà. Freine souplement. Je te dirai quand la mettre. D'accord. T'as le temps encore. Voilà, on commence à la mettre. Okay. Et on relâche l'embrayage vraiment doucement. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Eh ben on y va. On dynamise un tout petit peu et on va à droite. Allez, on est sur une 2x2 voies, on élance vraiment. Allez, vraiment. Et on met la 3. Allez, on se fait pas gratter. Allez, on avance vraiment. Et on met la 4. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça, c'est agréable en plus. Allez. On peut mettre la 5. Et on reste à droite quand même. Ferme sa fenêtre, lâche l'accélérateur. Merde, c'est l'autre. Le gars il regarde. Ouais, il veut me parler. Hein? Il y a un truc qu'on a. Ah, vas-y. Ouvre ta fenêtre. Je veux ma fenêtre, ok. Ah, ok, merci. D'accord, merci. Hein? Comme ça, on met la 3. Et on met la 4. C'est particulier de... on ira à droite. C'est pas l'endroit le plus adapté pour dire quelque chose. C'est sûr.
On met la 3. Je me disais, putain, j'ai perdu mon panneau de toit. Ouais. En fait, j'étais en train de me dire ça, ça se trouve. Ouais, moi aussi. On met la 2. Et on va à droite. Doucement et on va tout droit. On continue tout droit. Je vais éternuer, j'ai un truc qui me plaît pas là dans le coin. Petit pollen. Ouais. Bon, en ce moment, je passe ma vie à éternuer. Ouais, je suis au bout de ma vie. Hein. C'est un miracle que je sois pas trop mordé là. On ira à droite. À gauche, pardon, excuse-moi. Mais la 2. Et on y va. Allez, si on peut avancer. Là au loin, on voit quoi? Un feu rouge. On fait quoi? On lâche. Accélérateur. Ouais, et on laisse glisser simplement. Ça c'est dur. Hein. Ça, il n'y a personne qui y arrive. Ouais. Voilà. Puis on va commencer à. Et bon, on lâche le frein. Et tu vois, le fait d'avoir laissé glisser, ouais. On s'arrête même pas. Ben, on fait quoi? Allez, il tourne à gauche, on peut le dépasser par la droite. Okay. On met la 3 et on lâche. Parce qu'on regarde au loin. On lâche simplement. Allez, on met la 2 rapidement et on relâche tout doucement l'embrayage. Hop, pour garder du frein moteur. Là, tu vois le feu, il est passé à l'orange et au rouge. Ouais. Tac, le nôtre, il va repasser au vert. Fais-lui confiance. Okay. Et tu vois, ça sera ça l'anticipation en fait. Ouais. On va tout droit. Tout droit, on se place où dans le giratoire? À gauche. Non. Non. Non, non, surtout pas. Ok, d'accord. On se place à droite, du coup, il n'y a personne derrière. Ouais. On freine doucement. Là, il y a la camionnette. On met la 1, gère ta trajectoire. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. On aurait pu. C'est pas grave, t'as pas plus maintenant. Pas. Après elle, non. Après elle, oui. Allez, commence à démarrer. Et reste vraiment dans ta voie. Et on va tout droit. Ouais, c'est bien. Clignotant. Ouais. Allez, si on peut lancer. Et on met. Ok, il y a un passage piéton, il n'y a pas de piéton, il y a une intersection. Est-ce qu'on est prioritaire? Oui. Ok. Au prochain giratoire, on ira à gauche. Okay. Dès maintenant, on fait quoi? On indique. Ouais. Contrôle. Ouais, recontrôle maintenant et on y va. Voilà. Le contrôle, c'est vraiment au moment où tu changes de voie. Okay. Allez, mets à deux sans freiner davantage. Et serre vraiment à gauche parce que, voilà. Ouais. Lâche l'embrayage. Et on reprend. Et on remet la une, tout de suite. Allez, on avance. On fait attention au feu avant de passer. Okay. Regarde. Et on s'arrête. Regarde. Elle a vu que le feu, il était passé au rouge, la voiture derrière, elle nous a doublé, j'ai cru qu'elle allait tourner. En fait, pourquoi? Parce que ce feu, il est extrêmement court, et le premier véhicule, il a mis longtemps à démarrer. Du coup, on s'est retrouvé bloqué.
Allez, c'est à nous d'y aller, même par rapport aux piétons. Regarde, leur feu, il est rouge. Là, au loin, il y a un passage piéton. Il n'y a pas de piéton. Allez, on avance. Et on met la 3. Là, pour le moment, on voit quoi? Il n'y a rien. Ouais. Là, il y a un passage piéton. Un piéton. Voilà. Là, il y a un virage. Ah bon, voilà, parfait. Et si on peut repartir, on repart. Là, au loin, on voit quoi? Il y a un virage. Ouais. Et effectivement, la sortie du Auchan, il y a un stop. Et on met la 2. Voilà. Et si on ne dit rien, c'est où qu'on va? Voilà. Là, ça va pas tarder. Pour démarrer, on accélère. Non, j'ai pas dit c'est ouvert. Hein. J'ai dit ça va pas tarder. Le gars là qui est passé, il est passé au rouge, c'est sûr. Allez, c'est limité à 30. On est prioritaire ou pas? Non. Je sais pas, regarde. Regarde là, oui, oui, voilà. Non, on ira à gauche à la prochaine. Faut contrôler quoi avant de changer de voie? Voilà. Est-ce qu'on peut y aller? Oui. Ouais, par contre on rentre sur un parking, faut rentrer doucement. Ouais. Donc on passe. Ouais. Allez, allez, faut tourner. Et on va à gauche. Ok. Allez, tourne tout. Ok. On va ravancer un petit peu. Et on va s'arrêter à droite entre les deux voitures. D'accord. Clignotant. On va faire un rangement bataille en marche arrière dans l'une des places qui se trouve derrière nous. Ok. En gérant la sécurité, en prenant son temps. Ok. Tu choisis la place. Tu choisis la place. Au pire des cas, qu'est-ce qui peut t'arriver au pire? Au pire, t'es pas dans une place. Vraiment, le pire du pire, c'est te retrouver entre deux places. C'est le pire. Okay. Ouais. Par contre, en marche arrière. Oui. Donc, recule. C'est dur sans voiture. Du coup. Bah, c'est quoi ton repère? C'est le premier feu au bout de la vitre arrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à côté d'un feu? Une ligne. Ouais. Bah, une ligne au bout de la vitre arrière. Il faut que... dur de la voir. Allez, on recule. Okay. Et on tourne tout. Et au pire du pire, angle mort. Ouais. On recule. Et au pire du pire, tu seras entre deux places. Ça va, c'est pas trop dur à corriger ça. Regarde devant, quand t'es droit, tu redresses. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a besoin de t'avancer? On redresse. Mais si, t'es droit. Ah bon, je suis droit? Voilà, t'as juste à redresser et reculer. Bah, regarde devant. Bah, c'est sûr que si tu tournes dans l'autre sens, ça va être compliqué. Attends, là, je suis perdu. Hein. Allez, avance pour te remettre droit si tu veux. Bah, avance, parce que t'en sais rien. Voilà, t'es droit. Là, il a tourné au pif son volant. Il a réussi à remettre les roues droites par un... par un... Non, arrête de tourner ce volant. Mais pourquoi? Stop. Alors, est-ce que t'es droit maintenant? Là, bah, je sais pas, t'as l'impression d'être droit? Ah. Allez, ravance, remets tes roues droites. Ravance déjà, mets ta voiture droite. Regarde des deux côtés quand même. Si personne n'arrive. Je suis droit. Non mais regarde des deux côtés si personne n'arrive. Oui. Voilà, donc du coup il y a quelqu'un maintenant, ouais. On le laisse passer. Ouais. On ravance, on remet la voiture droite. Mets la voiture dans l'axe là. Okay. Regarde devant. Stop. Voilà, les roues sont droites. On met la marche arrière. On touche plus le volant. Le volant il reste comme ça. Là je suis droit. On regarde des deux côtés. Oui, par contre si tu tournes le volant, tu seras plus. J'ai pas l'impression d'être droit. Par rapport aux places d'en face là. Ouais. Regarde, mettons, stop. Là, toutes les places, elles sont à l'affilée.
Ouais. Non, mais les places là devant nous, elles sont à l'affilée. Ouais. T'es un peu serré à gauche en fait, t'es pas dans l'axe. C'est ça que tu veux qui te gêne. J'ai l'impression d'être comme ça en fait. Non, non, c'est sûr. Autant, mais... Ouvre ta porte, t'es à peu près droit. Par contre, tiens le frein. Hein. T'es sur la ligne en fait. Ouais, ok. Mais là, tu vois que t'es dans l'axe. Si tu voulais aller tout droit, s'il n'y avait pas de trottoir, ça passerait. Ouais. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais le truc, c'est qu'une fois que t'es droit, là, t'es droit, à peu près. Si tu fais ça pour tourner, pour reculer, pardon. Bah oui, sur la distance, on n'a pas tourné beaucoup le volant. Ah bah là, on est plus droit. Hein. D'accord? Ouais. Maintenant, j'ai compris ce qui te gênait. Ce qui te gênait, c'est que tu n'étais pas dans l'axe parfait de la voiture. Ouais. On s'en fout. Ouais, mais j'étais droit. Tu étais droit par rapport à la place. Tu n'étais pas entre deux places. Okay, ouais. Franchement, tu fais ça le jour de l'examen, ça passe. Hein. Okay. On part à droite. Ça marche. Si on peut partir aujourd'hui, c'est cool. Oui. Et on ira à gauche à la prochaine. Ok. L'embrayage et arrête-toi doucement. Super. Et à droite, on s'arrête, voilà. À la prochaine, on ira à droite. Okay. Voilà, on va gérer notre arrêt. Donc là, il faudra faire attention à quoi avant de tourner? Il faudra faire attention. Là, on va tourner à droite. Ouais. Notre feu, il sera vert. Ouais. Ok. Mmh. Il y a quoi à notre droite? Un trottoir. Non, à notre droite, là, il y a quoi? Une piste cyclable. Il y a une bande cyclable. Une bande cyclable. Donc, il faudra contrôler l'angle mort avant de tourner. Ouais. Quand notre feu sera vert, le feu des piétons, là, il sera de quelle couleur? Rouge. Non, là, il est rouge. Oui. Mais quand notre feu sera vert, il sera vert aussi. Ok. Donc, il faudra faire attention aux piétons. Ouais. Bon, là, il y a peu de chances qu'il y en ait à cette heure-là, mais... Ok. Angle mort. Et le passage piéton, bon, qui est toujours au rouge, je sais pas pourquoi. Normalement, il devrait être ouvert. Hein. Je t'ai dit qu'il allait être rouge. C'est qu'il y a un feu d'appel en fait. Okay. Il y avait un bouton d'appel. Ouais. On va tout droit. Il y a tellement peu de piétons qui traversent ici qu'ils ont décidé le feu des piétons il sera en rouge. On va tout droit. Est-ce qu'on peut y aller après lui? Alors arrête après de freiner. Après lui, oui. Allez, ben on y va tranquillement. Voilà. Et par contre, il faut rester à droite. Il l'a suivi. Je lui ai dit, alors on peut le suivre, il le suit. Clignotant et on sort. À la prochaine, on ira à gauche. Allez, faut accélérer. Allez, encore, 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 encore. C'est limité à combien ici? 70. Ah, d'accord. Bon, on va essayer d'y monter. Ah. Alors, attention à ne pas serrer trop à droite non plus. Ouais. Et on met la 4. Bon, faut que je démonte mon feu stop gauche, du coup. Bon, c'est pas grave, hein. C'est ma semaine. Mais c'est une bonne journée aujourd'hui. Oui, oui, oui. On ira à gauche. Voilà. Lâche doucement. On a le temps, on a le temps. Lâche le frein. Okay, okay. Je te dirai quand la 2. Vas-y, commence à la mettre doucement. Allez, par contre, faut relâcher l'embrayage. Et si on peut y aller, on y va. Reste à gauche. Voilà, super. Angle mort. Et on gère notre sentier. Par là. Ouais.
on ira à droite. Que t'as envie de faire? De ralentir. Ouais, bon, faut le faire. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Ouais. Fie-toi toujours à ton instinct. Si ton instinct il te suggère qu'il faut ralentir, c'est peut-être ouais. qu'il faut le faire. Allez, on accélère et on met. Ouais. On va tout droit. Ok, moi je mettrai la 2. La 2. Et si on peut y aller? On y va? On ira à droite. Okay. Ouais, clignotant. Prochaine intersection, on ira à droite. Donc l'intersection, elle est relativement loin. Tu vois où elle est? Ouais. Demi-tour au prochain giratoire. Okay.
sortie. Et on va à droite. Prochain giratoire. Okay. On freine un peu plus. Voilà. On gère bien notre trajectoire, tu te rappelles ? Oui. Et là, pour rentrer au centre d'examen, tu te souviens ? Non, pas tout de suite. Okay. On a le temps. D'accord, c'est bien. Voilà, on peut le faire maintenant tranquillement et on garde bien l'embrayage. On gère notre trajectoire en freinant un peu. Ouais. Parce que c'est le but de mettre la une. Et on va s'arrêter là. Okay. Point mort, frein à main. Tu vois, dans l'absolu, tu es capable de faire les choses. Bon, les manœuvres, il va falloir qu'on retravaille ça un peu. Ouais. Mais tu vois, dans l'absolu, tu es capable de faire les choses. Maintenant, il va falloir que ça s'automatise et qu'on y arrive tout seul. La prochaine fois, ce que je pense qu'on va faire, on va se faire un examen blanc. Okay. Ça va nous permettre de nous caler et de voir un petit peu ce que tu es capable de faire tout seul. D'accord ? Okay, mais t'es capable, hein ? Allez, check.